La chronique des alcooliques, ça n'a pas. 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 Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Covoisy, on met de côté la Annie. Hollywood, Barrett, c'est déjà c'est un movie. En train de faner sur le. It's a LCDA remix, you already know the vibe. Prochaine station. LCDA. Packet fan. Hollywood, packet great. You already know the vibe, on va y aller comme ça. C'est toujours packet blague, packet stories. Hollywood et Gardilac, toujours un packet bass, packet chiller, packet buveur, packet hustler. Ce soir, l'épisode, c'est garanti, c'est un packet brume. Ok, ça t'est belle. Let's go, let's go. Vous savez déjà, je devais vous donner une petite intro à cause de notre invité. Oh, juste sur l'intro, je calcule, vous savez déjà, c'est qui notre invité, mais Roland. Bon, comme vous avez déjà, Hollywood vous avertit toujours quand c'est la brume. Sauf ce soir, la brume en personne. Ah ouais. Ouh, ça va être tout un show, mesdames et messieurs. Et sur ce, je suis votre host, Hollywood The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk The Talk, Walk The Walk. Vous savez même pas comment je suis content. Content. Regardez la moustache. Yo. Regardez la moustache. Nouvelle chasse, monsieur. Hein? Nouvelle chasse. No more beard, mon gars. Let's go. Et mon autre co-host, Edlin, Mr. Pluggy. You already know the vibe. Yo, yo, in the building. Ouh, bon, ce soir, notre invité, vous savez déjà le vibe. Il est venu dans la game. Déjà faire du bruit. On sait déjà comment ça se passe. Moi, personnellement, vous savez déjà, je ne suis pas toujours sur écouter des beats rap, mais lui, oh ouais. La brume avec Spanella, je l'écoute normal. Et qui on a ce soir? Direct de Myland, mon gars. Okay. Yo, en direct de Myland, mon gars. En direct, prestige dans sa main, Mr. Fléo DiCaprio. Oh ouais. Wow. Let's go. Let's go. Oh ouais. Fléo! Yo, Fléo, merci d'être venu en chronique, mon gars. Merci de m'avoir invité, les gars. Yo, man. Tu sais déjà, nous, on aime ça, les gars qui ont des bons vibes. Yo, yeah. C'est ton bras? Yo, c'est pour chiller, man. Yo, dès que j'ai vu Fléo, autant des jupes, dis yo, bro. C'est pas une négociation, là. Il faut que tu viennes, là. Yo, moi, j'attendais juste ça, là. Yo, yeah. let's do it, man. Ok, bro. C'est ça, man. On apprécie vraiment que t'es là, mon gars. Yo, merci. On va faire ton expérience aux chroniques des alcooliques, être une super expérience. Let's go! So, mesdames et messieurs, je vais juste passer un petit message à tous nos fans, parce que vous savez, dernièrement, c'était le 100 épisode. Je vais juste vous dire, continuez à nous supporter et donnez le word à tout le monde qui subscribe, qui n'a pas encore subscribe sur YouTube. Allez les faire subscribe. You already know the vibes. C'est comme ça, on supporte. Let's go! Let's go! Donc, sans plus tarder, Fléo, on aime savoir comment était ta semaine avant de venir aux chroniques, bro. Est-ce qu'il y avait paquet de bobottes? Cette semaine, c'est relax en matière de bobotte pour l'instant. Mais... Yo, on est mercredi, la semaine n'est pas finie. Yo, c'est déjà, mon cher. Mais c'est une belle petite semaine, relax. On est là, à moitié faite, à moitié chemin. OK. C'est une belle semaine, je suis au chronique des alcooliques avec vous. Man. Yo, let's go! Shout out. Bobotte, pas bobotte, tu comprends? Prestige. Normal! Est-ce que t'as travaillé sur du nouveau son? Yo, bro, toujours, man. Ok. On va au studio direct après, là. Oh, okay. Shit, ok. Tu vois, mon boy Bax est là, on s'en va au studio. Yeah, yo, shout out en plus. Yo, shout out. Baxter nous a blessé. Yo, bienvenue. Attends, tu vas au studio avec Bax après? Yeah. Mais ouais, comme d'hab. Ah ouais? Comme d'hab. Yo, comme bro, d'hab. Tu vois le panel là? Yo. En train de shout out les necks dans votre char. Yo, Bax comprend même pas le clé-coup qu'il va prendre. Pour venir ici. Ça fait des années je le rush. Ah yo, mon gars, ça fait commence des pas, années mon gars. Je le rush. Moi, je veux pas me faire nettoyer. Oh, je yo. Commence pas, mon gars. Je commence pas. Yo, j'aurais pas de l'emmerder. Yo, pull up. Puis yo. Yo, t'as donné un clé-coup. Tu voulais donner un clé-coup. Qu'est-ce que c'est? Pause, major. Yo, comment ça le pause? Comment ça s'est passé sous le radar? Yo, oh, non, je l'ai entendu. Hey, yo, c'est juste qu'il finit. D'habitude, je suis plus vite que ça. Non, non, pause. Moi, c'est yo, je suis encore habitué avec mon shit. Là. Ok, fait que yo, c'est un gros son là qui ça va se faire là. Ah, mais ben oui, on work toujours, man. Ok, that's what's up. Yo, je dois le dire là. Sincèrement, ça a été une.
comme, parce que je suis un vrai fan, là. Puis j'ai toujours calculé que, yo, il y avait, je sentais derrière qu'il y avait comme un genre de son à la Bax derrière, puis ben yo, ça a juste confirmé aujourd'hui, là. Yo, non, paraître comme ça. Avant de connaître Bax personnellement, j'étais un fan, bro. Ah ben oui, j'ai encore un fan to this day, mais c'est normal, bro. Yo, Double Shot, c'est toute ce era, bro. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez, mon cher? Yo, ça sort d'un gros era, là, ça. Yo, là. Moi, je vais pas mentir, j'écoutais Bax dans mon auto, mais comme j'avais pas le choix d'être en beef avec lui. Comment? Mais parce qu'il était en beef avec BBT, BBT, 20 Deep, 20 Deep, c'est la famille. Là, je suis comme, get fuck Bax, mais dans la machine, je suis comme papier. Memories. Yo, pour de vrai, ce era-là... Ce era-là était à ça. Comme moi, dans mon l'aile. Parce que des gars de mon l'aile, eux, dans mon l'aile, là. Yo! On n'est pas là. Ils vont avoir leur temps. Ils vont avoir leur temps. Dans mon show, ils vont avoir leur temps. Shout out à Bax. Parce que avec Bax, je vais way back aussi. Oh. Non, mais tu vas venir Grimaud aussi. Oui, quand tu vas venir. On veut le duo, oui? Mais bref, aujourd'hui, c'est Fléo DiCaprio. Let's go. Yo, Gardilla, et toi, ta semaine? Bien relax, man. Je suis vraiment saisi du combat de vendredi. J'ai pris un loss dans mon sherbet, c'était incroyable. J'aurais jamais cru que ça aurait été comme ça. Les parlés sont pas rentrés. Yo, yo, bro! Mon cher. Il était tellement sûr de son bet en plus! Non, oui, je lui donnais confiance, comme si, oui, Africa! Et c'est lui qui a pris le mango! Ah ouais, yo, le mango! Puis on l'avait averti, là! Yo! Wow! Ah ouais, ça, sur celle-là, comme plus jamais je fais ça, plus jamais je fais cette erreur. Respecter la discipline des yo, gars, bro! Yo, c'était fou, pour de vrai, c'était fou. Et bien? Yo, pour de vrai, j'ai une petite semaine. Beaucoup de work, but yo, it's a good week, man. Yeah, that's what's up, that's what's up. That's what's up. Pour de la même chose ici, man. La routine, man, chill avec les enfants. Prendre ça relax. Ça, vous êtes des grands moons, vous, là. Yo, bro, yo, c'est fort, puis tout. Là. Non, moi, je suis fier d'être un grand moon, mais aujourd'hui, je suis still dans la game. Yo, t'as quel âge? C'est ça, oui, monsieur. J'ai 28. Yeah. Ok, bientôt. Oh, ok, bientôt. Vous faites un young and OG. Non, mais young, là, je suis plus trop young, là, parce que là, j'approche 30 stills. Là. Yeah, full. Yeah, les gens me demandent j'ai quel âge, je leur dis 28, ils sont comme, eh, ben non. Ils sont comme, je t'aurais donné comme 23, 25, je suis comme, t'abuses un peu, là. Ouais, c'est 23, 25, un non, peu mais fou, là. Je, j'ai même, je viens de vous dire, vous êtes des grands mots, mais comme, yo, je suis plus jeune, là. Yeah, but we don't crack. C'est ça, l'affaire. We don't crack, bro. C'est vrai ça, là. Comment on appelle ça, là? Young OG, on va appeler ça. Yeah, yeah. Young OG, hein? Wide Young OG. Young OG. Yeah, yeah. Bon. Sans plus tarder, on va passer au segment préféré de Monsieur Gardilac. Kounia, ça n'a bré! Qu'est-ce qu'on boit? Bon, aujourd'hui, on va essayer un whisky canadien. Yo, j'ai trouvé la force 1,14 litres. Yo, il est sorti de la sac à expire là. Je pensais que c'était une kiwi. Yo, je lui ai dit, hé, à qui ce matin-là va amener ça? C'est Fléau qui a demandé ça! En mode qui? Ok. Yo, c'est un whisky de prestige, ça s'appelle Seagram. So, okay. Ça dit pas avec quoi c'est fait, ça sort de T-Dat. On va voir. Ouais. Mal? Ok, whisky. Pas vraiment fan de whisky, mais on va essayer. Du six. Directement du six. Way, way. Yo, d'ailleurs, Edlin, toi aussi, t'as perdu ton cheveu bête, oui, man. Yeah. Ouais, mais moi, il était pas flagrant comme ça. Ouais, le Gardilac a pris le dessus. Voilà. Second round. Yo. C'est correct. Petit Claude, ta salle pour moi. C'est correct. C'est correct. Cheers, guys. Cheers. Oh, hein? Quand même doux, comme un whisky, ça. Ça passe crème, bro. Ouais. Oh. Comme les petits jeunes d'aujourd'hui diraient, yo, c'est cube, oui. C'est cube. Cube. C'est cube. Oh, c'est ça, les cube, ouais, ça, les cube. Cubique. C'est cubique. Oh, vous êtes su, gars. Yo, les petits jeunes, chaque fois, ils donnent ce lyric-là, je suis dead. Oh. C'est cube. C'est cube. OK. C'est cube. Yo, c'est quoi, Léo, 16 ans, là? Yo, combien tu donnes sur 10? Yo, pour vrai, c'était bon, man. Je dis un 8, I guess. Okay. 8? Yo, pour vrai, je donne high on note sur celui-là. Combien? 8 aussi, 8. Oh. 8, ouais. OK. C'est même... Yo, Monkey Mark, parce que t'es pas en arrière en train de faire le truc, là, c'est quoi? Tu cries, là? Anybody can get it. Je vais donner un 7,5 parce que je suis pas un fan de whisky, mais c'était bon. J'aime c'était bien. Posé. C'est ouais. Bon. OK,
OK, OK, ouais. Pour de vrai, d'habitude, le whisky, tu sais, je le sens quand je le bois. Un vrai truc de cowboy. Avant que tu le sipes, ça... Ouais, exactement. Ouais. Celui-là, il est l'huile quand même. All right, maintenant, on va passer au prochain segment, my dude. 50 Shades of Grey. Oh, ça va être intéressant, ça. Donc, t'as une minute pour nous raconter une des histoires où t'as été le plus débaba. Fini, man. Wasted. En vrai, je pense que c'est là, il y a deux semaines, bro. Donc, oh! Oh! Reste pour de vrai. Yo, j'ai été un des plus débabas que j'ai été de ma vie, bro. Oh, ben yo, raconte-nous cette histoire-là, bro. Pas dimanche qui vient de passer, l'autre d'avant, bro. Je suis en train de chiller avec les gars, relax, ils sont en train de sip, tout. Là, on va rejoindre ma coloc, j'habite avec une de mes meilleures amies, tu comprends? Puis on va rejoindre ses parents. Ah, les gars, vous êtes cons. Je les connais, ces genres de meilleurs amis. Une de mes meilleures amies. Surtout quand son coloc. Oh. Yo, les gars. Yo, la psychologue de 3,5. Il y a une chambre dans l'appart, là, mais yo, on dort pas collé. Non, mais pour de vrai, là, on est allé chiller avec ses parents and shit. Avec les, homies aussi, OK, comme toi. Oh, j'ai rien dit, non, ouais. Il a dit, oh. Oh. Bro. Jameson, bro, mon pire ennemi, man. Oh, shit. Back to back, bro. C'est quoi, faut que tu comprennes un bail. Ouais. Ouais. Faut que tu comprennes un bail. Moi, je vomis jamais. Puis je suis un grand buveur. Je vomis jamais, bro. Bon, je me suis réveillé, G. Il y avait un vomi dans ma chambre, à terre. Oh. Puis je me souvenais de rien la veille. Blackout. Mais voyons donc, bro. Mais ça m'arrive pas, bro. Là, mon partenaire Flax, il me dit, bro, je t'ai ramené la quête, t'étais au bar, tu fumais dans le bar, blablabli, blablabla. J'étais comme, OK, yo, j'étais off, là. Je pense que ça, c'était un de mes plus gros débabas depuis... Que je me rappelle, sûrement. Oh, get. Ouais. Mon gars, non, tu peux le poser. T'avais déjà l'intention, mon gars. Ouais. Vas-y, ça me fait mal, man, ça me fait mal. Yo, je sais même pas si je... Ouais. Non, mais... Ouais. J'ai réussi à skip le ouin, ouin, ouin. Mais ça, c'est ce qui est en haut. Yo, yo, ah, ça, y'a. Mais non, c'est pas ça. Mais yo, clique-les toutes, man. Ah, yo, bro, je clique même plus. Ton histoire était stylée. Vous l'avez pas briefé avant sur les boutons? Yo, y'a pratiqué sur le deuxième. En haut. Garde-la, t'es sérieux? Pour une fois. Il a fait la moustache, hein? Ah ouais, normal! C'est pas une moustache, ça, c'est une moustache. Yeah. On m'a dit, je ressemble à un acteur porno des années 70. On me le dit tout le temps, celle-là. Ah ouais? Ça t'a pas spécial, là. Oh! Hey, yo! Qu'est-ce que c'est que toi? Yo! Non, mais là, t'as des soins bizarres, là. Non, mais yo! Regarde là, non seulement il y a la moustache, faut que tu dises, faut que tu donnes l'accoutrement complet. Je suis obligé de me rattacher comme ça. Oh! Regarde là, je voulais savoir, mais pourquoi t'es venu chez nous? Non, mais là, j'ai vraiment la confirmation que tu chill for real avec Ricard. Oh. Parce que si t'es venu avec un swag comme ça, là. Oh! C'est ton partenaire? Ricard? Yo, son bon partenaire, là. Il l'appelle Gardilou, là. Oh non! Hey, yo! Partenaire, il est venu. T'es tellement quoi? Oh, oh wow! Oh, il est quoi ce gars-là? Je suis like Rick Hart, t'es quoi, man? Yo, shout out Rick Hart, mon gars! Yo, shout out to him! Oh shit! Non, mais c'est un ami du pod maintenant, oh, Rick Hart. Oh merde, yo, en tout cas! Je le connais pas personnellement. Non, mais yo, je dirais lui, il le connaît personnellement. Ben yo, quand c'est rendu qu'il frappe des soirs comme ça en avril, sans maillot en dessous? Shaggy, on t'a dit! Yo! En tout cas, yo, ma bif, Léo, mon gars. J'étais sûr que t'allais me donner un story comme paquet de péripéties. Oh, bro. Ziz! Pour moi, c'est le plus fou, là, tu comprends? Oh, ouais? Yo, j'ai vomi, je vomis pas, man. C'est la première fois que tu vomis? Mais non, pas de ma vie, mais comme. Ok. Longtemps, là. Je vomis pas, là. Bon. J'ai vomi, ça t'as rencontré ton match? Mon cher, Jameson, il s'appelle. Jameson. À la Nganou, Tikeo. Bon. Let's go. Ouais. On veut savoir. We gonna know. If you didn't know, you about to know the storyline. Fléau DiCaprio. Fléau, dis-moi, t'es un gars de quel coin, toi? Je vais te le dire. Myland. Bro. Myland? Ouais. T'as grandi dans le Myland. C'est là la première place. T'es à l'intérieur. Born and raised. Yo, mon gars. Yo, d'habitude, moi, souvent, les gars viennent pas directement de là. Là, c'est pour ça que j'ai quand même demandé, parce que normalement... Oh, ouais. Yo, moi, je te bon saute, OK? Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, dans le nord-est de Montréal. C'est où, le Myland? Ok, ouais. T'allais pas au collège français, mais. Non.
Ah, OK, dans l'aile du collège français, là? Ouais, exactement. C'est là, là, genre? Non, ben avant. Avant. Un petit peu avant, là. Un petit peu avant, OK. OK. Collège français sur Fairmont. Yeah, facts. Sur ce hood, là, là. OK. Avenue du Parc, Saint-Laurent, Van Horn, Mont-Royal. OK, yeah. Pour moi, c'est la délimitation un petit peu. Est-ce que j'ai déjà connu quelqu'un qui a grandi dans ce lait-là? Yo, c'est comment grandir dans un coin comme ça, mon jeune? C'est relax, man. Yo, c'est pas... Le Milan Bus, c'est un quartier très artsy, tu comprends? C'est très... C'est comme des genres d'artistes incompris, on va dire, back in the day, c'est... Mm-hmm. Yeah. Maintenant, ça a vraiment changé, là. So, c'est pas comme avant, for sure, là. Là, c'est comme le quartier le plus hype de Montréal. Tout le monde, tu sais, connaît... Avant, le monde connaissait pas le Milan. Je disais plateau. OK. Okay. Parce que okay. Les gens savaient pas c'était quoi, Milan. So, tu viens d'où? Je disais plateau pour pas devoir m'expliquer comme yo, c'est... Non, okay, non, wow, non, wow, wow, maintenant, tous les... au moment qu'on se parle, les gens connaissent c'est quoi le Milan. À part ce nègre-là, parce que... Yeah, je savais pas c'était quoi. Non, mais j'ai non, déjà mais c'est été. C'est j'ai la déjà... même chose avec Bax la première fois. Là, comme Son Youth, c'est dans toutes le les gars de Nord. Son Youth, c'est dans le plateau, mais c'est vraiment comme... C'est limite, là, les gens. Saint-Urbain-Rachel, Son Youth. Ouais. OK, mais c'est ça. Tu marches 5 minutes vers le Nord, t'es au Milan. C'est ça, okay. L'affaire. C'est comment ouais. C'est fait. C'est petit, c'est un tu petit... Tu marches dans un côté, tu peux être dans un autre. Check. Yo, tu marches vers le Nord, t'es rendu à Parkex. Tu marches un petit peu vers l'Est, t'es rendu à Rosemont ou Beaubien. Tu marches vers le Sud, t'es rendu plateau, downtown, carrément. Ouais, ouais. Outremont de l'autre bord aussi. C'est comme au milieu... C'est vraiment central, ouais. C'est le milieu de la ville, tu sais. Mais oui, c'est relax. J'ai grandi là, man, posé, man. C'est pas un quartier dans gang shit. C'est pas un quartier. C'est pas le ghetto. C'est pas la richesse, c'est pas la pauvreté. Tu commences vraiment comme. Yo, la moyenneté, bro. C'est mm-hmm. Hood relax, man. Faut que tu me dises comment le nom Fléo DiCaprio. Comment ça a été créé? C'est Tronel. Tu connais Tronel? Ben, je sais que t'as un featuring avec lui, mais je connais c'est pas. C'est Tronel qui m'a comme donné ce nom-là parce qu'avant. Je rappelais back then, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Là, mais... En anglais. C'est ça, parce que tu es sorti de nowhere. C'est bro. Ça, mais j'avais comme... vraiment je rappe depuis au moins 2013-2014. Tu as commencé en anglais, right? Jeune, là. Non. Ouais, c'est ça. Non, tu as commencé en anglais pour t'as dit que tu étais poche. Là, t'es venu en français. J'ai fait un track en anglais. Ah, OK, c'est ça. J'ai fait un track en anglais. Là, j'ai fait mes devoirs. Non, mais tu les as fait à moitié parce que j'ai pas fait comme 10 tracks en anglais. Non, non, j'ai pas dit ça. J'en ai fait un. OK. Puis j'ai plus jamais fait après, tu comprends? OK. C'est différent. Il a compris tout de suite. Qu'est-ce qu'il a? Yo, laisse-le. C'est chill. Non, non, non. J'ai dit. Moi, du comeback? Non, écoute. C'est même pas une attaque. Moi, je te Non, je sais. C'est juste que j'étais surpris qu'en ce moment, tu disais qu'il t'avait quand même fait une track en anglais, puis t'as dit, yo, vraiment, passe c'est, ça. C'est mon patiné qui m'a enregistré, qui m'a dit, comme, ça marche pas, de la merde. Il l'a dit, puis yo, j'en suis reconnaissant tous les idées, parce qu'il m'a dit, que, yo, tes patinets qui disent que tout est bon, là, mm-hmm. Arrête, là. Non, il faut lui, ça a été dit, yo, c'est poche, bro. J'ai dit, fuck. C'est vrai, c'est poche, man. T'as pas été offensé, t'as pas fait comme yo. Qu'est-ce que raconte là? Parce que imagine il m'avait comme induit en erreur tout le long. Ok, ouais, je comprends. Ah oui, yo, mon cher. Je serais peut-être pas assis ici en train de chiller avec vous live, là. Tu comprends? Il faut dire la vérité à ses partenaires, mon cher. Tu comprends? J'ai vu Marky Mark. J'ai vu Marky Mark a besoin de petite lotion dans ses mains. Je lui ai dit, yo, Marky Mark, mets une petite lotion, mon cher. Non, mais tu comprends? Ça s'appelle un ami. Exactement. Yo, si tu fais pas ça pour ton partenaire, t'es pas un partenaire. Non, t'es vienneux. C'est tellement gratuit. Tout le monde prend aujourd'hui, c'est dit. Mais ouais, fait que. Okay. Mais mon nom de rapper, c'était Le Réel Fléau avant. OK. Puis un petit peu avant le COVID ou au début du COVID, j'étais chez Tronel, puis on faisait un beat, whatever. Puis quand il était le temps de rentrer les noms, là, tu sais, le track était fait, on rentre les noms, puis le nom du track, whatever. Puis comme yo, c'est quoi encore? Puis on était pété, il était 5h du matin. Là. Je dis Le Réel Fléau, puis il est comme bro, Fléau DiCaprio, man. Il m'a regardé comme si. T'as jamais pensé à ça comme tes caves, tu comprends? Puis j'étais comme shit, man. Il n'y a jamais eu de lien avec l'acteur comme t'es un fan de l'acteur. Non, mais comme mon prénom, c'est Léo. Tu comprends? Oh! Ok, bon! Oh, c'est smart. Fléo, DiCaprio, tu comprends? Léo, c'est comme un DiCaprio. Ouais. Avant que je le transforme en mon nom de rappeur officiel, j'ai comme changé mon IG. Tu comprends? J'ai changé mon IG pour Fléo DiCaprio. Toutes mes partenaires m'ont râlé comme yo, tu l'as dead. Puis j'étais comme je vais switch mon nom de rapper pour ça. Là. Okay. Ah, OK. Ça, moi, c'est Tronel. Moi, je suis un fan de Leonardo. Non, c'est même pas ça, bro. C'est Tronel qui m'a comme lancé ça comme ça. Tronel, c'est pas le patiné qui dit toujours alors comme ça. Yeah. OK, ouais. Yo, il est spécial. Yo, ouais, rap politique, là. Yo, il le dead. Tellement, yo, c'était fou, cette interview-là.
OK, yo, moi, j'étais sûr là-bas. T'étais un fan de Leonardo. Non, j'allais te donner, c'est quoi, mes top okay. 3 movies de lui. Parce que toi, t'es un gros fan, on dirait. Là. Non, moi, ah oui, son meilleur film, c'est Basketball Diary. OK. Et comme j'adore. Le fait que tu connais le bail, yeah. Le fait que tu connais le bail, c'est ça, oui. Non, mais pas reste solide. Oui, oui, mais c'est pas pour ça que t'as écouté le bail. C'est pas pour ça que t'as écouté. Qu'est-ce que non, non, mais... Enragé, à part le jeu de mots avec mon prénom, puis le shit, tu comprends, puis mon ancien nom qui était le réel fléau, comme... Il n'y a pas de lien direct avec Leonardo DiCaprio, mais... OK, so tu spit depuis 2013, dans le fond, là. Même avant, mais comme... OK, check, j'avais comme commencé à prendre ça un petit peu ben, sérieusement en 2014, je dirais 2014-2015, puis j'ai juste comme arrêté. Ah, juste comme... C'était pas... J'étais concentré sur d'autres affaires, tu comprends? Mmh. Mais là, quand que j'ai recommencé en 2021-22 type shit, avec blockchain, là, j'ai pris ça au sérieux, tu comprends? Là, j'étais comme, ah, yo, ça marche. Puis comme, je voyais qu'il y avait un petit engouement. Ça, c'était avant Paquette, là. J'avais sorti 2-3 tracks. Okay. Mais quand Paquette a drop, là, c'est comme, là, yo, fou! Ça a changé le shit, là. Yo! Non, pour de vrai. Paquette? Yo. Mais avant Paquette, j'avais sorti Viande dans Viande. Yeah. Déjà, ça, ça a fait beaucoup parler, mais il était comme, les gens étaient comme, c'est qui ce nègre-là? Comme, Viande dans Viande, c'est fou, il y a dead, mais comme, il s'en va où avec tout ça après? Puis j'ai drop Paquette, puis là, c'est comme, OK, bro. Il est sérieux. Là. Moi, c'est Viande dans Viande qui m'a fait connaître. Moi, moi, mon frère, yo, mon frère m'appelle, il me dit, yo, faut t'écouter ce patin-là. Fléau, mon gars, il y a un but qui s'appelle Viande dans Viande. Je suis comme, puis moi, je suis pas un gars qui, comme, je peux pas dire que j'écoute vraiment le rap québécois. Il y a vraiment certaines personnes que je suis fan, c'est puis comme que lui, il disait ça. Vous écoutez pas de rap, genre? Pas vraiment, c'est pas votre... C'est pas non! Votre... Moi, c'est plus américain, comme... Yeah. Plus américain. Le rap français, qui m'a poudonné sur le rap... Ben, t'sais, dans non, le mais back-end, Montréal. On écoutait... De la ville, genre. T'sais, on écoutait mais c'est pas dans le back-end. Genre, c'est vrai. Mais, en tout cas, parce que je veux pas trop me prononcer, parce que j'écoute pas assez. Okay, mais ouais, ce que j'entends, ça a l'air toujours comme le même shit. C'est pour ça que quand je t'ai entendu, puis j'entends, yo, ma nouvelle bitch est incroyable, mais quand on fuck, c'est Vienne. Je dis, Gat! C'est quoi ce panneau là? Tu vois qu'il a écouté le bail for real. Oh, c'est vrai, oui, bail for real. Il la chante par qui? Il peut la chanter par cœur, là. Comme on me regarde à la maison, mais yo, bien, t'es sérieux là? Comme si, Gat! So, mais tu sais, le son est différent. Puis c'est word. Souvent, qu'est-ce que j'écoute là? Qu'est-ce que j'entends? Ça a l'air toujours de la même shit là. C'est pour ça que je suis pas. J'écoute pas assez. Peut-être qu'il y a des choses qui sont différentes, tu vois, mais je suis pas au courant. Moi, je le prends bien, respect, man, parce que. Je trouve aussi que je fais quelque chose de différent. Ça. Ouais, oh. Non, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de monde qui font la même affaire ici, c'est vrai, c'est un fact. Là. On peut pas se le cacher. Là. Ok, je pense. Il y a des rappeurs. Il y a comme 10 millions de rappeurs. Il n'y a même pas 10 millions de personnes, il y a 10 millions de rappeurs. Tu commences. Yo. Comme... Non, ça n'a pas rapport. Puis tout c'est le monde fait le même, même flow, ouais. La même mélodie. Non, c'est fact, c'est fact. Ok, je ne suis pas fou. C'est pour non, ça que non. Je suis comme. Tu sais, j'aime pas me trop me prononcer sur ça. Non, mais t'as raison, là. Spit your shit, nigga. Mais. Talk your shit, man. Je t'écoute parler, puis. T'as dit que t'as grandi dans le Maryland, mais quand j'entends ton speech, c'est très east side, genre, de Montréal, genre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton slang. Ah ben, yo, ça, c'est juste Montréal, bro, je pense. Non, yeah. Comme, yo, je connais d'autres mondes dans le Montréal, mais de nos la jours, façon que t'enchaînes les trucs, c'est vraiment comme... C'est même plus que ça, c'est qu'on dirait que c'est vraiment comme plus notre génération à nous, genre. Ah ouais? Ouais. Yeah. Ça se peut, je sais pas. Comme, avec qui tu chillais pour parler comme ça, genre? Ben... Parler comment? Non, mais donne-moi un exemple d'un slang, mettons. Bro. Comment je pourrais dire ça, là? C'est pas tout Montréal qui dit Vienne dans Vienne, là. Ah non, mais là, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais bro, yo, j'ai fait 5 écoles secondaires, là, j'en ai côtoyé. Oh, cash! Yo, tu t'as mis dehors à chaque année! Ça, je savais pas, là. Presque, là. Ah ouais? Mais il y a des années... T'es un élève turbulent ou quoi? Non, mais je foutais rien, bro. Ah, okay. L'école, c'était pas pour toi? Mais j'y allais à chaque jour, mais je foutais rien. Yeah. Je même pas comme. C'est même pas comme je foxais, là, ou whatever. Juste, j'y allais à l'heure, every day. Mais... T'étais dans la classe et puis. Fuck that! Ouais. Oh, wow. J'étais pas sous ça, moi. Ok. Mais j'ai fait mon secondaire, là. Et ça, oui, la génération de brume, oui. Ouais, ils m'ont renvoyé d'une école. Ils m'ont renvoyé de Lucien Pagé, puis ils m'ont envoyé dans une école de. Ok, t'as là, Pagé. Bon. J'ai fait un an. Ben, 8 mois, puis ils m'ont renvoyé. God damn! Tu t'es fait renvoyer de Pagé? Ça va vraiment mal. Ouais, ouais, yo. De Pagé, là. Wow! Pour de vrai. Yo, ça, God, c'est pas fou. Damn. C'est fou, ça. Yo, tu as eu 2 autres bières, mon gars. S'il vous plaît. Oh, shit! Non, ils m'ont renvoyé de Pagé, puis ils m'ont envoyé dans une école qui s'appelle Centre d'intégration scolaire.
Okay. Non, mais ça, j'ai pas connu ça. OK, c'est okay. Centre d'intégration scolaire, c'est une école sur, je sais pas si à ce jour c'est encore là, mais sûrement, c'est sur Beaubien, puis 6e avenue. OK. Pas loin de Saint-Mich, la rue Saint-Mich. Yeah. Puis c'est une école, c'est une école primaire à secondaire 3, 115 élèves dans l'école. Tout, primaire à secondaire 3. T'es genre 3-4 par primaire, classe, mais là. Quand tu dis primaire, comme pas maternelle. Première année primaire, secondaire 3. Oh. Ouais, je te jure, c'est vrai. Yo, il m'a envoyé là. Il est soumtué, lui. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que c'est une école que quand tu te fais renvoyer de la commission scolaire, faut que tu ailles là pour la réintégrer. Oh. Quand eux jugent que t'es assez comme... C'est bon, tu peux retourner, tu comprends? Oh, wow. Shit! Mais okay. Là-bas, tu peux t'imaginer que... Tu peux t'imaginer que là-bas, il y avait les futurs docteurs puis les futurs chirurgiens ça, de ce monde, tu sais. Non, mais pour de vrai, c'était comme... Wow! Pour de vrai, des bons partenaires à moi qui sont tous les idées encore mes gars, je les ai rencontrés là-bas, mais des gars sérieux. Mais c'était vraiment... C'est le chaos total, cette école-là. Il n'y a pas moyen de la réintégrer. La commission scolaire, c'est impossible. Oh, t'entends du monde qui lance des chaises. Yo, t'as du monde à problème là-bas. Mais j'ai... fini mon secondaire 3 là-bas, après l'avoir fait deux fois. Puis ensuite, quand tu sors de là, si tu veux poursuivre tes études, ils te disent où tu veux aller. Tu comprends? Tu peux retourner à cette école-là ou n'importe laquelle. Eux, ils appellent, ils font comme « Yo, le patinet, on l'a eu pendant 2-3 ans, il est rendu normal, on va le renvoyer. » Yo, je suis jamais entendu ça. Non, pour moi non plus. Puis comme je voulais finir vite après mon secondaire 3, parce que déjà j'étais comme dépassé l'âge de l'avoir fini, là, tu comprends? Comme mes parents étaient au cégep, là, moi j'étais comme. Fait que j'ai demandé d'aller aux adultes, puis ils m'envoient. Je suis allé à Marianne, puis j'ai fini mon secondaire là-bas. Ah, ok, good stuff, mon gars. Marianne, good stuff, okay. Good stuff. Yeah. Ok, mais, oui, bro. Man, mais, yo, bro. Mais comme je te dis, j'ai fait 5 écoles secondaires, bro. J'ai chillé avec paquet de monde, tu comprends? Yeah. Okay, non, mais là, t'as tout expliqué. À partir de ça, t'as tout expliqué. Ça donne une bonne explication. Il y a beaucoup plus de monde que tu penses par rapport là, qui connaissent les slangs de H. Là. Non, moi, ça, c'est ici, sûr, là. C'est Montréal. Mais ça, t'es pas africain. Je suis moitié québécois, moitié ghanéen. Ouais, ouais. Ok, je croyais que c'était moitié québécois, moitié haïtien. Non, je suis ghanéen. Ah, oh, ok. Okay. Yeah. T'as déjà été au Ghana? Ouais, mais j'étais jeune, là, j'avais 11 ans. Genre. Ah, ok. Je vais retourner bientôt. Yo, on m'a dit que c'était aussi c'est the place to be. Yo, mon panneau vient de revenir. Là. Je suis allé checker, boum, il m'a dit yo. Il m'a rendu jaloux pour de vrai. Je te jure, je pensais qu'il était à Tidat. Je pensais que mon panneau était à Tidat. Il m'a dit, yo, je suis au Ghana. C'est vraiment le place to be. Là, yeah, c'est the Afrique, place là. To be. Yo, yo, s'il te plaît, Fléo, va pas faire de viande non viande là-bas, non, man. Bro, va pas faire de viande non viande là-bas, non, bro. Yo, moi, je pense que si j'ai un viande non viande là-bas, j'essaie c'est toujours là-bas, de pas faire le viande non viande, mais je peux pas, bro. C'est plus fort que moi. Mais je fais pas exprès. Explique. Attends, on quoi? J'ai manqué un bout. là. Yo, yo. Check, il cherche un bouton. Yo. Il cherche un bouton, mais c'est pas ma bouche. Quel bouton prendre pour celle-là? Non, check. Je sais quand qu'il faut pas le faire, mais comme... Quand c'est la gaffe? OK, toi, t'es... Yeah, écoutez mes beats pour de vrai. T'es un certified viande non viande type of dude. Yeah, écoute. Le viande non viande fait partie de ma vie, mais je sais que faut pas toujours, mais des fois c'est dur, tu vois. Ok, ben plus qu'on parle de tes lyrics, okay. J'ai un petit segment que j'aime faire avec les rappeurs. So là, je l'ai mis en deux parties. La première partie, tu vas m'expliquer c'est quoi tu voulais dire par là. Puis la deuxième partie, c'est est-ce que c'est vrai? Ok, vas-y. Mais avant tout ça, là, vas-y. C'est... Il capte tellement que c'est la première fois qu'il le fait, là. Quoi, ça? Il capte tellement que c'est la première fois qu'il le fait. OK. J'ai inventé ce non, c'est pas vrai. Mais ce jeu-là, live... Ah non, ce jeu-là, c'est pas vrai. Mais j'ai déjà compte. Une question, moi, il faut que je te donne deux réponses. C'est ça qui se passe, là. Non, pas vraiment. Bon. J'ai un péteux proche des couilles. Pourquoi j'abîmerais mes fils? Qu'est-ce que je vais dire par là? Bro. Ah, moi, je sais pas. Tu utilises péteux pour plusieurs affaires. So, maintenant, il faut que tu définis. Il faut que tu expliques. Yo, pour de vrai. Call the fifth. Je parle pas sans mon avocat. Mais... Call the fifth. OK. Next. Deuxième. Next. Comment on peut être homophobe? Nos guns sont gays et blow des gars. Next. Yeah. Yo, ça. Next. T'as écrit ça? OK. Ouais.
Esclave pendant 400 ans, so je fuck des blanches au moins 400 fois. Vrai. 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 Ok. Ok. Ok, là je vais aller. Normal. Ok, 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 ok. Okay. Oh! Yo, t'as vraiment écrit ça? Yeah! Okay. Oh, t'es un malandrin, mon gars. Ok. Yeah! Oh, les gars, j'ai pas fini. Vrai. Ok, garde-le, la pété sur celle-là. Non, c'est okay, pas. Ok, garde-le, je t'en prie. C'est pas. Yeah! J'ai ma queue dans les reins de ta bitch pendant que tu envoies des dick pics. Thanks, bro. Yo, man, bro. C'est ce que je te dis, bro. Yeah. Yo, les gars, ils croient pas à ça, man. Ok. Yo, je suis fini. Là. Ok. Maintenant, il faut que tu dises si c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu t'es déjà fait sucer par une Française qui fume dalle cigarette et qui boit de la piquette? Ok, non, celle-là, c'est cap. Ok. parce que j'ai jamais fuck une Française, no cap. Ok. T'as déjà fuck quelqu'un qui boit de la piquette? Fax. Ok, good. C'est quoi la piquette au juste? C'est ça. Yo, ça c'est du vieux 20 centimes de dépanneur, genre. Oh, ok. Oh, la Bellini, là. La piquette, c'est vraiment un vrai mot qui dit du vin pas bon, bro. Oh, okay. Du vin cheap, là, tu comprends? Okay. Comme les Françaises du plateau Mont-Royal, ils boivent, là. Ok. Oh. Yo, je croyais qu'elle allait dire cheap comme les Français. Non, mais normal. Puis Dieu sait que les Françaises adorent fumer des cigarettes. Shout-out aux Françaises. Back. Mais oui, shout-out. Oh, shout-out, mon cher. Yo, as-tu vraiment un plug à la clinique pour tes tests? Facts, oui. God damn! Normal! Shout-out, elle va se reconnaître, c'est l'écoute de le podcast. Shout-out à elle, man. Oh, shit. Elle est comme toujours correct, man. Yo, bro. So, dès que t'arrives, elle sait déjà. Mais yo, le Batnet a dit sur un mec viande nerveuse, y'a pas de choix, mon cher! Check, si tu fais du viande actif comme moi, là, il faut que t'aies le plug à la clinique, bro, t'as pas le choix. Yo, non seulement ça, il faut que t'ailles te faire dépister, non, ma nègre. Oui, bien, mais oui, j'ai des Batnets à moi qui sont des viandes nerveuses récidivistes, bro, qui sont jamais allés de leur vie. Oh, sont oh shit! Mais non, mais j'ai rien. T'attends quoi, bro? Oh, okay. T'as rien. Yo, c'est pas parce que t'as rien. Yo, y'a pas des gars qui sont avec toi là qui sont là-dedans? Non. Les gars pissent vert là, j'ai rien. Mais non. T'es fou, bro. Ok. Mon avant-dernière. Avant-dernière, ok. Avant-dernière. T'es allé en chercher des bonnes, donc je dois te le donner. C'est fort. Es-tu vraiment un négro sale qui met toute sa dèche sur un clit? Ben. Mais je viens de te dire, c'est un mec vient dans viande, mon cher. Oui, mais c'est toi qui vois en dedans? Ouais, moi, je vois en dedans. Non, pour de vrai. Parce que, yo, je suis pas capable. T'as combien d'enfants? Yo, c'est ça. Que je connais zéro. Il est honnête. Oh, yo, ouais, il est capable. Yo, OK. Bro. Viande dans viande, t'es là-dedans. Mais parce que, check, moi, je me dis comme ça. Voici ma réflexion. Voici mon boy Matt. Si tu me laisses rentrer dans toi, Raw, tu me laisses bosser un autre dans toi, bro. Qu'est-ce que vous dites de ça, mesdames? Yo, get! Vous êtes d'accord non, avec ça? Ouais, ouais. Pam. C'est comme si... T'as raison. Mon pull-out game est weak anyways, bro. Comme il va même pas essayer. J'ai déjà essayé, yo, mais je n'étais pas capable. Bon Dieu, yo, vois. T'es bien là-dedans. C'est réel. Bon Dieu, vois. C'est chaud. L'affaire est chaude. Yo, chaud. Ça est chaud. Puis elle commence à contracter en plus. Mais oui, t'es pogné là. Mais non, moi, qu'est-ce que tu veux faire, bro? T'essaies de sortir, ça fuck up. Ça... Non. Je préfère que ça soit tout là-dedans. Là. Ton dernier lyrics. Oh, là, 2019-2020, as-tu vraiment fuck au moins 2000 bitches? Non, j'ai pas fuck 2000 bitches, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ah, j'ai pas compris. Moi, je calcule, t'avais fuck 2000 bitches, vraiment? J'en ai fuck beaucoup. Là. Exactement. Vraiment beaucoup. Ça, c'est le COVID, by the way. Oublie pas, hein, 2019-2020. Ah, c'est vrai. On était tout à la caille, mais... Yeah. Non, mais ça, c'était... Speed dial! Les bails étaient sous speed dial! Ça, avant 8 heures! Avant le couvre-feu! Yo, ça, c'était le meilleur moment, mon gars. Yo, non, ça, j'ai pas fait... besoin de payer des... Ça, c'était le moment... Viens chez nous. Juste viens là, Kai. Viens chez nous. Mais oui. Ah, yo, ça, c'était le moment collé. Mais non, c'est un cap, là. J'ai pas fuck 2000, bitch, de 2019 à 2020. J'avais encore plus de lyrics, mais j'ai arrêté là. Yo, non, OK. T'étais fort, pour de vrai. L'affaire, c'est que tu peux prendre toutes mes lyrics, puis... faire un podcast au complet. Yo, t'as yo. Non, c'est vrai que yo, tes métaphores, toutes les lyrics que tu donnes, pour de vrai, c'est ça qui fait que t'es complètement différent. Là. Mais moi, je pense que aussi, c'est ton choix, tes choix de beat, d'instrument, là, de son. Word.
De quoi? Instrumental. Instrumental. Instrumental? Ouais. Instrumental, ouais. C'est ça que j'ai dit? Ouais. Ben, il, vous, attends, vous l'avez comme t'as pas... Un peu, t'as un peu de chat. Non, mais vous l'avez, pas laissé finir sa phrase. T'entends? Vous l'avez juste pas laissé finir sa phrase. Si? Il est en train de chop and screw, moi. J'ai... Ouais, mais c'est ça, mais le son est différent. Yo, le son est vraiment dans, différent. Il était à Houston, Texas. Yo, on parle, tu sais, toi, on parle de Houston, ces affaires-là. J'ai, dans tes entrevues, tu parles que yo, t'es un gros fan de rap américain. Est-ce que ouais, c'est ouais. ça qui t'a fait comme aimer le rap au ouais, début? Ouais, ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi tes références? Yeah. Mais bon, là, là, c'est comme. C'est trop fou comme question, ça. Ah ouais? Mais au, sens... non, au mais début. C'est... Au début, bon, c'est... OK, c'est... Ton, okay. Ton rappeur préféré, dans le fond, américain? Gucci Mane. OK! Le Gucci Mane dans la brume, là! Le Mad Kitchen! Before Jail. Gucci ouais, Mane ouais. comme ça. OK! Mais même, je le trouve encore fort to this day, mais c'est pas le même Gucci, tu comprends? Non, ça, mais c'est sûr. Si tu dois me demander c'est qui mon rappeur préféré, c'est Gucci, là. OK. Mais je peux pas sleep sur plein... C'est trop fucked up comme question, parce que... Il y a trop de gens qui m'ont influencé. Il y a du Mobb Deep, il y a du Big L, il y a du Big Snoop. L. Big L? Je suis saisi, tu connais. Ok. Ah, j'ai 28 ans. Bro. Exactement. Big L, c'est ma génération. Mais, non, mais ouais, bro, mais comme... Moi, j'ai fait de mes devoirs. Là. Okay. Je ne les ai pas fait à moitié, moi. Là. Je les ai fait au complet. Là, non, non, je comprends. Non, mais good pour job. De vrai. Puis ensuite, le South, bro. Ah, c'est pas nécessaire. Yo, c'est trop laid en passant. Ouais. J'ai pété le bouton depuis tout à l'heure. Le oh, South, UGK, PMC, tout ça. 3-6, okay. Man, tu comprends? Mm-hmm. Ça, c'est comme la fondation. Mais après, j'ai comme gravité, j'ai découvert des shit. Yo, au début, j'étais sur comme le, ce que j'appelais le New School, ce qui était comme, dans le temps, Gucci, okay. Lil Wayne. J'étais comme, bro, fuck ces histoires-là. Moi, j'écoute juste du old school, you know? OK, OK, OK. Et après, j'ai entendu un beat de Gucci. J'étais comme, tabarnak, OK, ouais. Il est dans d'autres levels. J'ai entendu du Weezy. J'ai porté attention. J'ai fait comme, OK. Puis là, j'ai ouvert mes esprits à autre chose, you know? C'est quoi, t'avais-tu un grand frère ou ton c'est père moi, qui écoutait frère. Du hip-hop? J'ai un petit frère et une petite soeur. Ok, c'est okay, toi okay, le grand frère. Okay, toi, t'es vraiment. J'ai fait mes devoirs tout exactement seul. Exactement ça que j'allais ouais. dire. Tu as vraiment fait. Parce que là, t'es monté loin, là, je trouve, là, pour un gars de 28 ans, quand même, là. Bro, je passais des fucking heures sur YouTube. Back then, là, j'écoutais un beat, puis après, tu vois, sur la barre à droite, là, il te proposait plein de beats. J'allais là-dedans, puis je fouillais. Puis là, je découvrais. Je passais des heures à faire ça, comme un espèce d'autiste. Là. OK, t'es comme... student of the game. Pour de vrai, ouais. Yeah, student of the game. Ouais, vraiment. Au début, justement, au début qu'on a commencé l'émission, je disais que, sans même savoir, je trouvais que tu sonnais un peu comme Baxter. Puis pas que j'essaie pas de dire que t'es Baxter ou t'essayes d'être comme Baxter. Non, mais faut sûr, ça l'a influencé. Check. Tu m'as demandé si j'écoutais du rap américain. Oui, mais après, quand j'ai découvert que il y avait des gars qui le faisaient à Montréal, mm-hmm. puis qui représentaient bien la ville, qui parlaient. Tu sais, j'étais un ado, genre, j'étais comme 12-13 ans. Mais j'entends du Connaisseur, j'entends du King, j'entends du Back, j'entends du Double Shot, j'entends du CDX, Starks, whatever. Je suis comme tabarnak, bro. On peut le faire nous aussi, là. Il y a 28 ans. Non, mais tu vois que c'est un student of the mais game. Le il y a dit Big L. Dès qu'il y a dit Big L, je crois... Okay, il respecte non. la game. Il connaît ses affaires. Mais non, mais ça, c'est venu me chercher en termes de comme, yo, faut que j'écoute ça parce que comme, faut que j'étudie ça parce que les gars, ils sont en train de le faire live. Puis, oh, vous vous souvenez pas de ce moment-là? C'est un des prime mais imagine que t'es un youngin en plus puis t'écoutes ça puis comme t'aimes vraiment le rap, tu comprends? Mm-hmm. T'écoutes du rap américain, j'écoutais pas de rap français vraiment à part du I Am, tu sais les shit vraiment plus okay, oh, classiques ouais. okay. Petit frère, ben hey, tu sais, oh, on connaissait ça, tu sais, mais comme, là je suis comme hein. Double Shot, c'est quoi ça? Wanted. Hein, what the fuck? J'étais comme yo. J'étais comme shit, man. That shit crazy. Fait que for sure il y a comme un Si t'es un connaisseur, tu peux l'entendre un petit peu dans certains beats que ça sort pas de nulle part. Là. Je me suis ouais. quand même influencé, mais j'ai fait ma propre sauce après. Ah you know? Oh non, c'est sûr, c'est sûr. Yeah, non, garantie, mon cher. Okay. Le gars, il a des questions. J'ai des questions. Non, yo, vas-y, all in, mon gars. Aujourd'hui, t'es le point guard aujourd'hui. Yo, pour de vrai, je sais pas si ça va arriver. Je souhaite que ça arrive. Que yo, t'as une, comme, je sais pas, une compilation avec Obia. Parce que les tracks que vous avez sortis, my God, yo, gauche-droite! Je suis content gauche-droite! Ouais, gauche-droite, c'est fou. Moi, en même temps aussi, je suis un fan de Obia. Tu veux une anecdote sur gauche-droite? Ouais. Obia, on était ensemble au bord, au coin de la caille, parce qu'on habite à côté. You know? OK. À 30 secondes à pied, l'un de l'autre. Puis on est au bord.
Puis je suis fucking sous. Moi, je suis fucking sous. Puis Obia, il était relax, bro. Tu sais, il est toujours relax, Obia. Mm-hmm. Des fois, il est sous, mais comme ça va jamais paraître, là. Tu comprends? Il est plus high, il fume son joint. Je suis là, puis là, moi, je suis débaba, puis je suis comme, yo, j'ai wreck ça hier, je veux que t'en marques dessus. Puis je lui mets mon fond dans l'oreille comme ça, dehors, puis comme, je lui fais jouer, puis il est comme, OK, got you, envoie-le-moi. Je l'envoie, on continue à chiller. Le lendemain matin, beau, j'ai un fucking message de lui. Il a mis son verse sur gauche-droite. OK! Le lendemain matin, il a mis son verse sur gauche-droite. Le gars, il performe. C'est une machine, là. Mais il y a son studio, la caille. Oui, mais si moi, je veux aller au studio absolument, je vais m'arranger pour y aller. Peu importe si c'est la caille ou pas. Ah, vous sortez du bar, là. OK. Ouais, il est allé chez eux, puis sûrement que le lendemain matin, il s'est réveillé, puis il a fait ça, tu comprends? Puis il m'a envoyé, puis il m'a dit, yo, c'est good. J'ai fait comme, yo. Obviously, après, il y a eu des petites modifications et tout. Non, c'est sûr. Pour le produit final, mais à quel point que gauche-droite, c'est comme. C'est mon beat personnellement préféré de Chien manger chien, de l'album au complet. Mm-hmm. C'est mon album à moi, là, you know. Gauche-droite, c'est mon truc. Gauche-droite est enragé. Blau est enragé. Moi, quand j'ai. Mais oui, yo, c'est. On a beaucoup de musique ensemble. Ok. Ouais. Yo, le beat qui sort là. Dans deux jours, là. Tu vois, moi, le vibe qu'il m'a donné quand j'ai écouté, c'était plus un vibe, ils vont crever. Mais le. De quoi tu parles? Gauche-droite? Non, pas le beat. J'ai dit, quand moi j'écoutais certaines de tes beats. Ah, ok, le... je suis comme. Non, j'ai pas écouté. Je suis comme, ok, bon. Non, je veux pas écouter. C'est comme Santiago, toi, switch. Non, je veux pas écouter gauche-droite. Je veux pas écouter gauche-droite. Mais moi, c'est plus à cause des lyrics, genre. Yeah. À cause des lyrics. Je sais pas si t'as écouté les back then quand il était plus jeune. Yeah, oui, for sure. Yo, il était très unapologetic, ouais. Comme toi. Très... Aussi, je rappe avec mon accent comme que je parle dans la vraie vie. Yeah, puis lui, je rappe en. Yo, je parle comme un gars de Montréal qui est québécois, man, tu comprends? Puis lui, je rappe pas de la même, là, mais comme. Yo, je rappe comme que je vous parle live. Non, je sais. Il y a des gars qui se prennent un accent. Non, je t'aurais jamais écouté si tu parlais de même. Non, ça, c'est garanti. Ah ouais, je t'aurais jamais écouté. Il y a des gars dans la game qui se prennent des accents sur les sauts. Ouais, ben oui. Ben là, arrête. Mais tu sais, mais non, j'en connais pas assez de rappeurs. J'en connais pas assez. Mais écoute, ils vont crever. Il switchait beaucoup d'accent aussi, là, rappelle-toi bien. C'est un des premiers à vraiment rapper puis accepter son. Lui, connaisseur aussi, King, for real. Les gars, ils ont tous embrace le comme, yo, on est québécois, genre. Yeah. Même si on est noir, haïtien, 100% ou moitié, whatever. Mm-hmm. On c'est comme ça qu'on parle dans cette ville-là. Puis venir rajouter du slang de ton pays, whatever, genre. Haïti, tu sais, toutes les slings. Tu viens rajouter ça à la sauce. C'est ça qui fait que Montréal, on a un shit different, là. Tu comprends? Et tu vas écouter un rappeur de Saguenay, Lac-Saint-Jean, bro. Tu t'en calisses, là. Non, c'est vrai. Non, mais pour de vrai. Est-ce que je peux pas relate? Même eux, ils utilisent nos slings, G, là. Ouais. Bro, arrête. C'est ça, tu peux pas relate. Je vais pas pouvoir relate à un gars qui chante. Mais est-ce que vous êtes pas juste un petit, comme... Il y a un petit cocon... Ou ce que, genre, il y a les rappeurs qui sont différents. Comme on disait tout à l'heure, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Là. Beaucoup de mélodies qui se ressemblent. Parce que, OK, check, il y a beaucoup... Ça, c'est mon analyse à moi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de monde qui sont vraiment matrixés sur la France, OK? OK. Puis, il y a beaucoup de monde qui ont écouté beaucoup de rap français puis ils n'ont pas écouté beaucoup de rap américain. J'ai pas pointé du monde. Pas des artistes, je te parle de comme... Monsieur, madame, tout le monde. Ouais, monsieur, madame, tout le monde. Surtout les jeunes, tu sais. Okay. Ils écoutent du rap français, ils écoutent du Nino, du Sti, puis ils veulent reproduire ça. Mm-hmm. Mais moi, comme, quand j'écoutais du rap américain, ben, je voulais reproduire du Mobb Deep, là, tu comprends? OK. Mais après, j'étais comme, man, comment je fais ça en français? Puis là, j'entends fucking du connaisseur, puis du King, puis je suis comme, yo, the fuck, man. Puis après, j'entends du double shot, je suis comme, ben, je sais le faire. Est-ce que toi aussi, t'as. Ben, je vais pas utiliser le mot, je vais pas utiliser genre. Wesh! Tu comprends? Ouais. Utiliser des shit plus comme américanisé. Yo, on est des francophones américains, bro. La France, elle noie là-dessus, bro. Elle capote sur ça, bro. Puis est-ce que tu veux transférer ton son là-bas aussi? Ben, yo, si ça vient, tu comprends? Mais c'est où ça paye, là? Non, mais c'est même pas une histoire de ça. C'est une histoire de timing. C'est une histoire de, comme... Il y a des steps, tu comprends? C'est comme... Je veux pas aller plus vite que qu'est-ce qui est devant moi live, là. OK. Je veux faire comme du monde, tu vois. Sérieux! Non, mais c'est vrai. Avec la game, là... Oh, excuse-moi, Gabriel. Non, vas-y. Avec la game, là... J'allais dire la game du rap, mais la game musicale globale au Québec, man. C'est quoi que tu vois en tant que carrière viable, genre? Que tu peux te dire, OK, yo, je peux faire ça pendant 20 ans. Est-ce que tu vois qu'il y a une possibilité, genre?
c'est dur d'aller trop loin comme ça, 20 ans, on va dire, là, mais mettons, je pense que live, oui, c'est possible dans le futur proche. Mm-hmm. Je veux pas parler du fucking dans 10 ans ou dans je sais pas trop, mais je sais que live, je suis en train de fuck shit up, donc vaut mieux profiter de ça maintenant puis checker où ça va, tu comprends? Okay. Juste de pas arrêter, man, puis si ça paye, ça paye, si ça paye pas, ça paye pas, mais au moins j'aurais laissé quelque chose de nice, là, tu comprends? Okay. La musique, elle disparaît jamais. Bon, le monde, ils vont l'écouter pareil, ta musique, dans 50, 60 ans. Même si t'as fait 3 tracks fous, s'ils sont fous pour de vrai, je suis sûr, il y a du monde qui vont l'écouter dans fucking 30 ans. Ouais. Est-ce que tu trouves que le Québec donne une place maintenant au hip-hop pour de vrai ou bien c'est vous qui êtes en train de la grab? Shit, c'est une bonne question, ça, pour de vrai. Qu'est-ce qu'on fait, mon cher, man? Alors, tu me blasses, mon cher! Pour une fois que... pour une fois que j'étais pas comme Santiago vient-t'en, quand même. T'as une place! Non, mais c'est une bonne question. Yo, je pense que c'est un mélange des deux, non? Parce que le monde veut la grab. Il y a des comme... Il y a du monde qui sont plus ouverts à se plier à comme, OK, mais c'est Dieu, c'est peut-être ça qui est ça, tu sais. C'est comme... Tu peux pas juste arrêter la musique, peu importe elle est quoi, peu importe tu dis quoi, tu sais. C'est sûr qu'il y a des trucs... Check, ma musique à moi, mm-hmm. for instance, bro. C'est pas tout le monde qui va l'écouter, c'est comment? C'est pas tout le monde qui va l'apprécier, surtout. Mm-hmm. Il y a beaucoup de monde qui fuck avec mon shit, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme, ah, yo. Ah, c'est comme un gars-là, il abuse, là. Ouais, yo, t'es trop raw pour ces gens-là. Là, ouais, mais comme. Non, c'est littéralement, viens raw. Bro, je peux pas écouter ça avec ma fille, là. Non, c'est sûr. C'est non, parce que ce serait juste irresponsable de ta part, ce serait bizarre, tu comprends? Ça agit, là. Mais tu peux écouter Paquette avec ta fille. Y a pas de stress, bro? Paquette bobotte. Rosé mauve. Ouais, OK. Un non, mais attends. Une moitié de seconde dans un beat de 3 minutes non, c'est vrai, va c'est changer vrai, c'est vrai. Tout le track, genre? Non, c'est vrai. Non, mais moi, je veux dire... Paquette enragée, là. Donc, yo, non, je sais, mais comme c'est sûr qu'il y a des... Il y aura toujours... Yo, c'est du rap qu'on fait, man. On fait pas du indie pop, tabarnak, là. On s'en calisse, là. Non, pour de vrai. Tu sais, comme on fait pas du fucking je sais pas quoi, là... J'étais au camp de writing camp ici de Bravo Musique. Ils m'ont invité. Shout-out à eux. C'était fucking une belle expérience. Mais à la fin, man, à la session d'écoute, il y a une couple de filles qui capotaient, là. Ah, oh, c'est cash! Non, mais il y avait 40 personnes qui étaient comme ça, puis il y avait deux filles qui étaient comme... Yo, plus jamais on veut ça ici! J'étais comme... Bro, non, mais c'est vrai! Non, mais yo, puis shout-out à Bravo Musique, puis shout-out de m'avoir invité, puis... Je l'ai fait, tu sais. Le writing camp, c'est sur un 3 jours, sur une fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. OK. Yo, j'ai fait plein de musique. J'ai rencontré des producers fucking le fun. J'ai rencontré du nice du monde le fun. J'ai rencontré Maki La 22. On a fait 2 gros tracks ensemble. OK, nice. Moi, puis par hasard, on a fait un track ensemble, tu vois. OK. C'était fucking... Tout... Par hasard, mais... c'est la fille, ça. Ouais. Yes, man. Non, j'étais pas sûr. T'étais pas sûr si c'était une fille ou quoi, bro? Non, mais si je le mélangeais avec un autre rappeur, mon cher. C'est dans ma gueule. Dur, je suis dead. Yeah, il faut que tu me dises, man. Charlotte, t'as pas raison. Yo, t'es adlib, là. C'est sûr que t'es pas tête claire quand tu le fais. Que je suis quoi? Quand tu fais tes adlib. Ouais. Est-ce que comme, t'es vraiment à jeun ou bien, yo? Quand je rappe, je suis jamais à jeun, bro. Yo, pour de vrai, pour être raw comme ça, pour être raw comme ça, c'est sûr que t'es jamais arrivé. Non, mais j'imagine que Henry Scott écrit, t'es lucide, là. Oui, bien sûr. Mais des fois, non. Des fois, oui, des fois, non. Okay. Des fois, j'écris au studio, on est au studio, je suis des babas, on met des beats, puis là, j'écris des petites affaires, mais... Yo. Est-ce que tu... C'est une obligation d'être des babas ou comme... Non, c'est pas une obligation. Yo, un moment donné, je faisais un genre de 2-3 semaines sans alcool, ce qui arrive jamais, là. Genre, c'est arrivé une fois, OK, je l'ai fait. Puis j'étais au studio avec mon boy, mon producer Daniel, prochaine station Rosemont. Puis il savait que j'étais à jeun, là, depuis. Depuis 2 semaines, là. Ben, c'était pas pareil. Yo, je m'étais mis genre 2 semaines, je pense, de comme yo, je veux le faire, tu comprends? Puis je l'ai fait. Puis là, c'était comme la dernière journée. Puis j'ai fait un beat tellement fou. Puis il était comme, man, il faut que tu bois une bière live. Lui, il m'a dit ça. Il faut que tu bois une bière live parce que tu vas juste être mieux, genre. J'ai bu une bière, bro. Puis c'était, j'ai fait un slapper. Yo. Ouais. La vie de rappeur. Yo, ouais. Yo, dans Blau. Yo, mais non, Blau. Yeah. Quand il donne le lyrics, la forme lui dit oh, Wap, je veux que tu me fourres dedans. Son adlib qui écrit son cul. Ouais. Non, mais yo, un affaire, il faut que tu comprennes, c'est que quand je fais mes adlibs, je les freestyle tous. J'ai un répertoire de comme 4 adlibs que tu rentres souvent comme Wow, puis quoi.
Puis quoi? Hein? Tu sais, toutes ces adlibs-là, le wow, c'est mon comme, c'est mon trademark, là. Wow, tu sais. Okay. Mais je vais dans le boot, puis là, je suis comme, on fait jouer la track, puis yo, je fais juste dire n'importe quoi, man, ou quand que je pense qu'il faut un petit truc. Puis ouais, après on garde les bons, on les efface, mais moi, je suis, à ce moment-là, des adlibs, là, les adlibs, c'est le dernier. C'est la dernière chose, là, tu comprends? Ouais. Je suis obviously complètement plus à jeun. Faut chaud, là. Puis tu dirais, là, dans la game, est-ce qu'il y a des featuring que tu n'as pas encore fait, que tu calcules faire? Comme tu me donnes un nom vite, comme ça. Là. C'est à qui tu aimerais travailler? Soulja, for sure. OK. Sal Grimaud. Okay. On a déjà fait des tracks ensemble, mais c'est jamais sorti. Mais tu comprends? Chaque chose en son temps. Grimaud, this my dog, by the way. OK. Qui d'autre, man? Steffi Choc, Daniel Bélanger. Truc du genre. Jean Leloup. OK. T'es sérieux ou c'est une joke? Genre vraiment aller dans la. Dans je suis sérieux, je suis sérieux. OK. Yo, bro. Yo, Jean Leloup, ça serait fou. Yo, mon top, gros ça. Boy, Jean Leloup, man, je suis trop down, bro. OK. Ouais. Yo, peut-être les gars savent même pas c'est qui. Voilà. C'est pas c'est qui? Non, je sais qui. OK. Mais moi, t'as-tu dit Daniel Bélanger? Ben ouais, man. Yo, je suis un gros fan de Daniel. Ouais, moi aussi, man. Nomme trois de ma mère. Était... Regarde dans mes yeux combien imagine. Ils sont malheureux. Mais imagine, le fils. Imagine le fils. Imagine Léo DiCaprio, Daniel Bélanger. Yo, on a gagné. Je sais pas pourquoi au Québec, c'est pas quelque chose qui se fait plus. Tout c'est vrai, hein? C'est vrai, ça. Ça se fait pas parce que je dis trop des shit fous. Ouais, mais t'as pas essayé non plus. De pas dire des shit fous. Non. De faire un featuring, tu penses que ça les dérangerait à cause que t'es trop fou dans tes lyrics? Mais oui, il y a des mafias derrière eux, oublie ça, là. Oh. Ouais, c'est vrai, lui. Tu sais, là, arrête, là. Ouais, mais même parce à ça, que... moi, je trouve, ben, peut-être lui, avec ses textes, mais malgré ça, là, je suis sûr qu'il peut écrire des textes s'il veut, puis il aura plus correct, c'est sûr et certain. Mais je comprends pas pourquoi le monde du rap a pas plus mix-up avec les autres genres. Ben, c'est... Je sais pas, je pourrais pas répondre à ça pour de vrai, parce que... À part Marie-Mille. Ouais, elle a fait un peu, elle, non? Ouais, avec une couple de personnes, là. Zao, il a fait ça avec qui? Il a fait ça avec une... Il a fait Zao, non? Avec, même ça, avec Marie-Mille. Non, pas avec Marie-Mille qu'il a fait? Avec une genre de fille de je sais pas quoi, là, de comme... OK. Qui fait pas du rap, là. OK, il y a jamais eu vraiment un collab rap, puis... Non, ça, c'est... Mais Soulja, il l'a fait aussi récemment. Peut-être pas pop, mais Soulja l'a fait récemment avec Roxane Bruno. OK. Ça se voit, mais il y a toujours comme... C'est toujours calculé, I guess, derrière tout ça. Ouais, c'est jamais comme... « Hey, je trouve vraiment ça le fun, ton rap, là. Veux-tu qu'on fasse un beat, genre? » Là, c'est genre Marie-Mé qui t'a dit « Mais non, c'est impossible. » Comme un loud Ginette Renaud, pour là, ça aurait été boosté, là. Regarde. Okay. Boosté. Ben oui. Ça, c'est crazy, for real. Non, mais tu sais, comme... Je sais pas, sinon, qui d'autre que j'ai pas feat avec... Je sais pas. Moi, je suis ouvert à work avec tout le monde, tu comprends? Mais comme, depuis que ça fait du sens un petit peu. T'sais. Ouais, je comprends. Mais là, on. Je suis vraiment pas en mode comme yo, le monde me DM et tout. Yo, check, veux-tu s'embarquer là-dessus? Puis j'écoute, puis. C'est pas des gars que. C'est des gars que personne connaît. Là. OK, mais tu acceptes tout? Non. Okay. Pas j'accepte tout, mais j'écoute tout. OK, t'écoutes tout. Ben, imagine, c'est fou, puis tu sais pas, puis tu te penses trop bad, puis t'as fait yo, toi, t'es personne. Mm-hmm, puis là, dans le fond, ça aurait pu être un des plus fous feats que t'as fait. Tu vois? Okay. Pas en termes de ce qui vient après le feat, juste en termes de la musique. Tu vois? Okay. OK. Mais là, vu qu'on est dans les featuring, justement, là, tu travailles avec un gros OG. Dans la même optique de question, ça serait qui, tu pourrais dire, dans les gars de Montréal, là, que t'écoutais quand t'étais jeune, là, tu dirais, yo, pour de vrai, lui, je voudrais vraiment faire un... Si tu l'as pas encore fait, plutôt, j'aimerais vraiment faire un featuring avec lui. Parle des OG, là. Ben, connaisseur, là. Catch! J'attendais le nom. Non, mais je ne l'ai pas encore fait, mais c'est dans les works. J'ai hâte d'entendre ce... C'est dans les works. J'ai hâte d'entendre ce... C'est Wanted. For sure, Wanted. King, bro. Ça va être tough. Attends. Non, mais c'est... Tu m'as demandé. Non, mais ça, je trouve que c'est un gros nom. C'est ça, l'affaire. Moi, j'adorerais ça, faire un beat avec King. Est-ce que ça va être possible? Probablement pas, je sais pas, mais comme... C'est... Laisse-moi rêver, là. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Mais connaisseur, c'était mon top, là. OK. Mais j'ai hâte d'entendre ce son-là. C'est dans les works. Non, non, yo, ça, c'est sûr, ça va être du feu, ça. Oh, ouais, j'ai hâte d'entendre ce son-là, bro.
Soulja aussi. C'est-tu un OG, Soulja? Ben là, on peut commencer à considérer. Il commence comme un vétéran, ouais. C'est sûr, Soulja, c'est un vétéran. Mais même lui, comme, c'est pas dans les works, mais on s'est déjà parlé plein de fois, là, tu comprends, comme si, shout out, là. Non, mais les gars savent aussi, comme c'est OG là, là. Là, ils savent que tu t'es sérieux dans le game. Là, comme ouais, t'es une figure là. Les gars peuvent pas niaiser avec toi. Là. Non. Je pense pas que personne peut niaiser avec moi dans le game là, en ce moment. Mais je pense que c'est toute une histoire de comment tu te présentes, comment tu holler au partner, comment t'es. Si tu penses que t'es trop fresh, bro, les gars vont te tasser, man. Ils sont calés de toi. Mais comme, depuis que t'as une bonne attitude puis que. T'es juste real, faut que tu restes real. Puis les gars vont vouloir work avec toi, là, for sure. Puis la musique parle pour elle-même à la fin de la journée, ça. Je suis pas stressé avec tout ça, là. J'ai une théorie, puis dis-moi si j'ai tort. Je pense que le Québec, ils choisissent toujours comme leur rappeur pendant un certain temps. Comment je pense que Tizo, le Québec l'avait choisi, puis il y a eu un run. Shuiz, le Québec l'a choisi, puis il est dans son run. Est-ce que j'ai tort sur ça, ou bien c'est comme... Elle l'a choisi. C'est quand même. Il faut que tu mettes du work aussi, là. Oui, c'est ça. Oui, ils ont mis ton work. C'est pas comme si on lançait un pion, puis ils ont tout misé sur lui, là, puis là, ça a marché. Le panel, il a work hard. Toutes les panels que tu viens de nommer, ils ont work hard. Ils étaient indépendants. Ils méritent leur chaîne. Mm-hmm. OK. Zao méritait son chaîne. Zao, c'est un gros nom maintenant. Il a travaillé fort. Shuiz a pris la relève. On va dire, tu comprends, parce qu'on parle de lui maintenant beaucoup. Exact. Il est en train de tout péter, puis shout out à Shuiz. Et votre chien, moi, j'ai chien, t'es à 100. Yo, bro, tu comprends, puis il a travaillé fort pour ça. C'était pas au hasard, on a choisi lui, puis c'est lui qu'on. Il a travaillé fort pour. Ouais, je comprends. Je pense que je m'exprime mal. Comme je dis, choisi, mais parce qu'il y en a plein qui sortent du contenu. Tu comprends, mais que lui, ce soit comme démarqué de tout le monde, parce que lui, tu peux venir comme on veut te voir regarder la 10, tu comprends. Le porte-étendard, genre, de la game. Genre. Mais c'est comme, ça revient à ce que je disais tantôt. Oui. La musique, elle parle pour elle-même. Bro. Quand c'est unanime, c'est unanime pour de vrai. Là. C'est pas juste. Il y en a du monde qui hate lui, sûrement, là, mais la majorité du monde fuck avec lui. C'est pour ça qu'il est là ou qu'il est live. Il a put in work, man. Quand tu put in work, travaille super fort, man. C'est inévitable. Mais non, mais c'est au bout. Il faut juste jamais que tu arrêtes de work. Bro. Exact. Ouais. Les gens m'invitent à des podcasts, ils sont comme, ouais, vraiment, tu l'as dead, le 2023, t'étais le best, nanana. Je suis comme, bro, dude, c'est rien, là. Il faut que je work 6 fois plus live. Là. Ah ouais, facts. Oui, go. Ah, moi, j'attends. Le best for life, tu comprends? J'attends les sons, moi. J'attends les sons, là. Ça sent bien. Comme Tio, petit cochon, tu l'as tué, là. Yo, respect. Shout out my nigga Larry Kidd. Oh shit, cochon! C'est lourd. Maintenant, on va parler de la connexion parce que, comme on a dit au début, on a donné un shout-out à Baxter qui est dans la place. Comment la connexion avec Baxter est arrivée? Attends, est-ce qu'on l'appelle Bax encore? C'est pas Kingsley maintenant? Ah yo, moi. Oh! Il a dit son Govi. Yo, oh Dieu! Il va falloir que tu mettes un bip quand il dit ça sur le Non, je te dis. Non, c'est ça. Fait, comment la connexion est arrivée? Yo, no cap, c'est à travers Danny. C'est à travers Danny Hill. Okay. Danny m'a dit comment, yo. Mais il pense qu'il parlait déjà avec Bax préalablement pour work. Puis je pense que les gars, Double Shot, ça avait déjà entendu mes shit, Bax, CDX, tout. Puis Danny m'a dit, yo, on va aller chez Bax, telle date, man. On a fait un groupe à trois, yo, on s'est. Un groupe chat, là. Ouais. Puis. On avait compris, bro. Hey, c'est yo. Toi, là. Hey, yo. Parce que le gars m'a regardé comme ça. Il m'a regardé comme ça. Hey, yo. Le gars m'a regardé comme ça. Il a tout le monde ce moment de silence. Est-ce qu'il parle d'un Jimmy? Merde. Non, mais c'est à cause de toi, tu m'as regardé comme ça. Yo, man, il a calculé la moustache à Gardila qui a dit ah, yo, il faut que je le mette right. Yo. Oh mon Dieu, ce gars-là. Non, je suis dead. Mais ouais. Puis là, on a organisé une session, bro. Puis Danny et moi, on est allés chez Bax, bro. Puis yo, the rest is history, my nigga. On work depuis sans arrêt. Yo, on a fait des beats ensemble.
ce mais aussi, là? Back, c'est lui qui m'enregistre là, depuis maintenant. OK! Au moins, okay, tout fait de ça. Au moins, tout fait de ça. Je dirais un bon 6 mois, 6-7 mois. Là. OK! OK, tout fait de ça. Au moins, où, là? OK. Ouais. Yo, est-ce que Bax, il spit maintenant ou bien il a arrêté vraiment, là? Moi, je n'ai jamais voulu que tu arrêtes. Ouais, juste pour te le savoir. Non, je te fan. Non, mais yo. Je te fan. Je vais pas parler pour lui, mais je peux te dire qu'on a fait des... plusieurs beats ensemble. OK. Ouais. On a fait des beats ensemble. OK. Au moins 5. C'est quoi le sentiment que... Bon, les gars, j'ai fait un show en novembre au Love and Hip Hop, au Us Gang. Mm-hmm. Yeah. OK. Puis j'ai invité Bax sur scène à faire un track unreleased avec moi. Juste comme ça. OK. Juste vous dire ça comme ça. Après... C'est ça que j'allais dire. Après, je parle pas pour lui. Tout le sentiment de... De maintenant que tu fais des tracks avec un gars que t'écoutais dans le back then, ça doit être fou, là. Ça, c'est un des plus fous sentiments du monde, pour de vrai. Yo, ça donne... C'est juste comme... Tu sens que t'as fait quelque chose de... Tu l'as dead, genre. T'as fait quelque chose de bon, là. Yeah. Puis tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que si tu connais pas, comme... Si j'avais pas reconnu un peu le son, j'aurais jamais pensé à ça, parce que s'il y a bien quelqu'un qui met rien sur ses réseaux, c'est bien Bax. Okay. Mais met rien du tout, man. On voit rien. Yo, yo, t'as un beef avec Bax? Oui, yo, oui, yo, il sait qu'on a un beef. Il sait qu'on a un beef. Il sait. Non, mais pour dire que, tu sais, ça aurait été dope, là, de voir justement comme si, oh shit, OK, yo, il y a tel truc qui est sorti. Moi, j'ai hâte d'entendre ça, là. Mais je pense que c'est un truc de, yo, tu sais, moi, j'ai beaucoup de choses qui go around pour moi live en ce moment, pour mes propres affaires, mais ça n'empêche pas que on travaille, on se voit tout le temps, puis on travaille tout le temps ensemble, puis dope. I mean, bro, genre Bax c'est family maintenant, you know? Dope. So, mais bien sûr que yo, éventuellement il y a des shit qui vont sortir, puis le monde vont prendre une claque là. Let's go. Okay, les gars, ok, j'ai hâte de voir ça. Qui a d'autres questions? Juste à voir. Si t'étais un rappeur, si t'étais pas un rappeur, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Vienne. Mais il fait déjà. Moi, j'ai fait des études en cuisine. J'ai un diplôme en cuisine. Puis, ouais, for sure, j'aime bien. OK, mais c'est sûr, tu fais pas qu'être forme là, avec ça, là. Pas de resto, direct la caille. Yo, direct la caille. Maintenant, on va pas au resto. Maintenant, ça fait du sens. Okay. Est-ce que t'as vu le vidéo Vienne? Non, j'ai pas vu la vidéo. Bon, il vient de tout comprendre. Yo! Ça fait tellement de sens que là. Yo, le vidéo, là, c'est comme une animation, mais c'est un chef qui coupe la viande. Yeah. Yeah! Et puis il donne des coups de couteau. Yeah! Oh! Mais là. OK! OK, là, je comprends. T'as pas vu le vidéo? Toi, OK, ce gars-là, il est sérieux. Il est sérieux. Lui, là, quand la femme dit on va au resto, c'est paraître chez nous. Non, même pas. Normal! Ah, yo, tu n'utilises pas ça? Ah, tu niaises, mon cher! Mais non. Tu niaises! C'est un gros playbook, oui. Je fais jouer viande dans viande, puis il y a juste besoin de ça. J'ai pas besoin de tuer rien d'autre. Mais là, yo, là. OK, yo, OK. Là, c'est des tout cuites qui paraissent, okay. Là. So, si tu serais pas rappeur, tu serais sûrement un chef. Ouais, ben yo, ouais. OK. C'est quoi ta spécialité? Oh, c'est quoi cette question de merde? Yo, ouais, c'est quoi que tu fais le mieux? Mais non, mais viande dans viande, mon cher. Yeah. Arrête, c'est yo, quoi ta spécialité? C'est déjà la réponse. Arrête, là. C'est déjà... Lui, c'est pas médium bien cuit, c'est bleu. Ah ouais, bleu. Ah ouais. Oh, shit, bro. Non, mais attends. Wow. En tant que chef, là, c'est sûr que t'as quelque chose que t'aimes plus que autre chose, là. Je trouve cette question-là... Okay. Est-ce que tu sais faire la cuisine africaine, d'eau? Yo, non. Oh. Non, pour de vrai. Oh. Yo, Flo, on peut faire le viande dans viande africain, mais... Qu'est-ce qu'il a? Yo, Flo, faire la cuisine. Il est focus, mon gars. Yo. Viande dans viande, mon gars. Il est focus. T'as l'heure, on va voir Fléau avec... Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu. Fallait que je fasse un adlib. J'avais oublié. Il est en mode adlib, mon gars. Attends, t'allais me demander quelque chose. Ah non, j'ai oublié. Yes. Vas-y, continue. Non, non, yo, moi, c'est ça, oui. Qu'est-ce... Ah, mais moi, alors, j'ai une dernière question. Vas-y, mon frère. Bon, yo, à part ça, t'as fait des shows quand même à plusieurs places au Québec. Ou bien t'as juste fait des shows à Montréal? J'ai fait des shows à Montréal seulement. Ouais. OK. Ouais. À date, ouais. OK, d'accord. Okay, pas... jamais sorti pour faire il un est show. Il n'est pas encore allé dans la brume outside. Non, mais j'ai hâte, bro. Yo, pour de vrai. Yo, t'es supposé avoir la prochaine fois qu'on te voit, c'est mieux d'avoir paquet de stories de tout cuite. Ouais, cash.
Yo, dis-moi donc, dans toutes les shows que tu as faites là, c'est quelle chose que tu as eu ta meilleure sloppy toppy, bro? Shit. Un show? Genre au show? Ouais, ouais. J'ai jamais gagné de sloppy toppy au show. Mais après le après show. Après le show, on le veut. Tu sais, dans le vibe. La meilleure. La meilleure show que j'ai faite, que j'ai gagné un bon head après. Damn. Je sais pas. Pour de vrai, je sais pas. Oh, wow. C'était attends, assise j'ai... comme ça? Non, mais bon. Attends. J'essaie de penser. C'est une drôle de question, mais j'essaie de penser. Je sais que c'est une drôle de question, ouais, justement. C'est, attends, c'est attends, sa attends. Question, oui. C'est pas un gros show, je pense. Ça doit être un petit affaire que j'ai faite au fucking... Pour que tu te souviens. Ah, yo! C'est où qu'on était l'autre fois, mec? Oh, get! Call out names comme ça, damn! Ben yo, AK, c'est ben, AK. Yo. Personne va savoir c'est qui. Vous savez que c'était Infinie Bière puis que je yam l'autre après, là, chez nous, à 6h du matin. Ben damn. Yam! C'est quoi le lyric, ça dit? Yam, yam. Yam? Yam, ben ouais, yam. Ouais, à Griffintown, mais il n'y a pas de nom au spot, genre. Ok, ok. C'est okay. Les Nekbev m'avait invité là-bas. Là. Puis t'as barré avec une moon, ouais. T'as fait ton show. Ouais. Puis, hein, ouais. Fun tops! T'as eu le gars! Le whole nine yards, my nigga. Oh! Ouais, non, ça c'était lit. C'était lit. C'était lit. On l'avait, shout out à Griffin Town. On l'avait mérité, celle-là. Yeah, shout out à Griffin Town. Yo. Puis là, dans les plans futurs pour Fléau, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à venir là, dans les prochains mois pour le summertime? Tu sais que le summertime arrive. Yo. C'est quoi qu'on doit s'attendre de Mr. Fléau DiCaprio? Man. J'ai de la musique qui sort, for sure. Let's go. Là, mon beat avec Larry est sorti. Shout out. En featuring avec lui. J'ai un featuring avec Obia qui sort live dans 2 jours. OK. En featuring encore, toujours. Puis après celui-là, vous allez pouvoir entendre du Fléau, mais c'est mes sorties à moi là, qui vont sortir. Là. So, ouais, il y a ça. Il y a aussi, j'ouvre pour Larry Kidd, ces 2 dates au Franco. OK. Au Fofone Électrique, 13 et 14 juin. OK. So, yes, sir, man. Summertime ready. Ouais, ouais, yo, ça va se passer, man. Puis, ouais, man. Okay. Je suis en mode flooding, bro. En mode flood. OK, flood OK. Flood the streets. Let's go! Let's go! Man. Maintenant, le show n'est pas fini. Vous savez qu'on devait aller, on doit aller sur Patreon. Petite surprise de Fléau sur le Patreon. Vous savez déjà. Donc, sur ce, je suis votre host, Hollywood The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardzilac, Mr. Moustache. Et vienne, ne vienne! Moustache! Moustache! Edlin, Mr. Bloggy! Yo, aujourd'hui, je me suis fait salir, mon gars.